Ah, il a passé un premier en deuxième, ce tacle puissant appuyé sur Oura Alissé. Passe 1, et là il accélère 2. Parfait, transfauteur du défenseur, beaucoup d'engagement. Il y a une petite pause qui récupère ce ballon et qui permet à l'Africa de repartir. Quelqu'un disait comme ça pour juste donner une image. C'est comme sur le terrain, Yann avait une chicotte en main. De Maurice qui stratégiquement vous jouez bien le coup là. Oui, on joue bien le coup, mais là on perd un peu trop de ballon, on se met trop en danger. Il y a un peu trop de perte de. C'est bien joué quand même. Et là avec Alissé, Alissé encore, Alissé qui va chercher, Alissé, la frappe d'Alissé également. Que la formation de l'Essai Kouza pourrait. Il prend beaucoup plus d'assurance. Regardez la colonnade de Dani. Sans ballon, suscitant. Il en a perdu peut-être un ou deux. Il est excellent. Alissé, il passe pas des jambes d'Alissé. La frappe. A essayé de trouver Alissé qui vient d'entrer. Il est frais, il est en jambes. Voilà. Voici Alissé. Alissé encore. Oui, on croise les doigts. On espère que l'Africain ne gardisse pas. Attention, attention, Khalil. Il y a ce. Dans le camp du Mosso, qui a des difficultés pour s'en sortir. Alissé Aléa qui joue en pointe dans cette rencontre, un positionnement sur Diaby Almamy pour expliquer qu'ils sont présents. Maintenant il faut trouver la justesse, hein, la justesse technique devant pour pouvoir faire la dernière passe. Ça joue bien côté Afrique. L'adversaire, est beaucoup en place. Mais je pense que avec le temps, ça va. C'est une autre attaque de l'Africa Sport. Et voici les variants. Il est très bien lancé, il va chercher un partenaire, il va trouver cette fois-ci pour Alissé. Et c'est le retour de Marconi pour Alissé qui court. On l'a vu, regarde ce ballon sur le côté, il accélère, regardez, il lève la tête, il cherche le joueur bien placé, il met dans les pieds d'Oura. Là il s'applique, il ouvre son pied, ça fait but, c'est excellent. Difficile pour le gardien, regardez comme il ouvre son pied, super moment, hein. Il a vu le côté ouvert, le petit filet, et ça fait but. 1-0 pour l'Africa, c'est mérité.